27 ans, j'ai 27 ans. Je pensais qu'il m'en aurait fallu 10 de plus pour parvenir à mettre en mots cet infernal processus. Depuis hier déjà, ma coupe est pleine, mon être est empreint de mélancolie, mon âme saigne. Alors que depuis l'âge de 12 ans, je m'applique à faire en sorte que ma vie décrive le meilleur mouvement. J'ai toujours tout mis en œuvre pour prendre le meilleur tournant. En ce moment, j'évolue dans le bonheur, avec moi une femme que j'aime et deux enfants qui colorent mes nuits de leurs fleurs. On s'est battu pour tout ça, j'ai lutté contre moi pour tout ça. J'y ai mis le prix, combattre ces démons intérieurs, les enfouir quand le traumatisme qu'ils érigent est trop profond qu'il fait peur. Je vois qu'on récolte ce que l'on sème et pas toujours ce que l'on aime. Une remontée acide, lucide et pernicieuse au point d'être parfois liberticide. Chez les Antillais, être élevé à la rude est une tradition. Ne vaut un bon coup de fouet qu'une petite punition. J'ai rarement été privé de dessert ou de sortie. Merci maman, merci. Mon corps lui, renferme en lui les traces du passage de l'ignominie. L'esprit, n'oublie pas, il refoule sa commode. Le corps n'a pas le choix, la nudité au douloureux souvenir est une offrande. L'enfant doit s'approprier son corps hors les assauts physiques dont il est la victime. L'oriente vers des biais qui empêchent que son moi ne sublime. Il se renferme, mélange haine et amour envers son père et sa mère. Même si plus tard il apprendra que ces deux sentiments sont étroitement liés. Un enfant est déstabilisé quand il a l'impression que son père et sa mère il ne peut les aimer. Comment faire état du mal que l'on reçoit de soi quand on se dit tout bas que sa mère on ne l'aime pas. Pour le jeune garçon, le rapport à l'affectif est un trou sans fond. Il peut donner tout l'amour du monde à tout le monde, de peur de se retrouver tout seul dans une détresse sans nom, dans une cave humide et immonde. Il peut encore fermer son cœur hermétiquement pour prévenir les moindres nouveaux dommages que pourrait perpétrer une femme. En y pénétrant à chaque être vivant, son mode de fonctionnement, l'enfant marqué chèrement commence son existence dans une cellule d'isolement. Personne ne guérit son enfance. Personne ne guérit son enfance. Parents, l'enfant que tu bats, tu le tues doucement. Tu te dois de lui donner les clés de son développement. Tes actes sont comme un lent empoisonnement. Pour sortir de cette spirale, il va devoir trouver de la force au fond de lui, c'est vital. Et ce n'est pas des plus évidents, c'est même par moments épuisant. Certains d'entre eux ne se trouvent jamais, et je ne puis affirmer que ceux qui se trouvent et connaissent leurs affects sont plus heureux que ceux qui finalement ne sauront jamais ce qui fait qu'ils sont eux. Ceux qui sont tristes à l'intérieur, les peines à vivre, ce que l'enfance a presque parvenu à détruire. Les peines à vivre, les peines à vivre. Parents, l'enfant que tu bats, tu le tues doucement. Tu te dois de lui donner les clés de son développement. L'enfant marqué chèrement commence son existence dans une cellule d'isolement. À chaque être vivant, son mode de fonctionnement.